Jehovah. Éternel des armées. Obisina. C'est autant vous ne voir. Il y a quelqu'un qui dit si l'ennemi n'existe pas. Na ben vous ne voir. Si les sorciers n'existent pas. Et il veut pas passer. Mais comment allons-nous prier? Seigneur, c'est honteux qu'on puisse, en tant que croyant, poser une telle question. Père, que tu nous pardonnes. Amen. Car quand tu as créé les cieux et la terre, Satan, l'ennemi n'existait pas. Il n'existait aucun. Satan. Et aucun ennemi n'existait. Yes. Les sorciers n'existaient pas. Yes. Mais l'homme parlait avec toi. Et toi aussi, tu échangeais avec l'homme. Yes. Et tu as écrit que tu es le Dieu qui ne change pas et qui ne se répand pas. C'est un rébellion. Alors, la rébellion de Satan n'a pas changé ton amitié avec l'être humain. Yes. Mais l'homme s'est dit que qu'il y a eu un changement qui s'est opéré dans l'amitié qui existe entre toi et lui. Voilà pourquoi nous sommes mis en tête qu'il faut qu'on tue nos ennemis avant de recevoir quelque chose de toi. Voilà pourquoi nous sommes mis en tête qu'il faut que le sorcier dans notre famille, selon nous, meure avant qu'on ne soit béni. Père, regarde la pensée qui nous a animés. Ce sont des pensées d'enfants. Des pensées des enfants turbulents, des enfants irrespectueux. Papa, Père, que tu nous pardonnes. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous revenons à nous-mêmes. Et nous nous détournons à partir d'aujourd'hui de toutes ces choses. Amen. Et nous disons que nous allons lever le regard seulement vers toi. Parce que nous avons su, selon les Écritures, qu'il n'existe pas de combat. Le seul combat qui existe, c'est que nous nous retirons de la passion de la chair, le péché. Voici le combat que nous avons contre le péché. Père, nous avons mis de côté le vrai combat, le bon combat, et nous nous sommes accaparés d'un combat qui n'existe pas. Nous attachons, nous tuons, nous détruisons l'être humain que tu as créé, alors que ce n'est pas ce que tu nous as appris. Père, nous sommes perdus. Aie pitié de ton église. Amen. Ce n'est pas seulement House of Glory. Aie pitié de tes serviteurs. Révèle-toi à eux comme tu t'es révélé à nous. Amen. Et qu'on revienne sur le chemin des temps anciens. Et que nous adorons une adoration vraie et réelle. Amen. Dans un esprit et en vérité. Amen. Voilà pourquoi nous ouvrons la bouche ce matin. Et nous disons ce qui nous est arrivé, ce qui nous tue, ce qui ronge notre main, ne provient de personne. Le sang que nous subissons, la honte que nous avons, la pauvreté que nous avons, les maladies que nous avons, nous avons compris que ça ne vient de personne et que tout vient de toi.
Voilà pourquoi nous levons le regard vers toi aujourd'hui. Ce que tu nous as donné, nous l'avons perdu. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a arraché, c'est toi-même qui l'a repris. Maintenant que nous avons su que c'est entre tes mains que toutes ces choses se trouvent, et toi, seul la capacité de donner et de reprendre. Si quelqu'un meurt, on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais lorsque l'argent de quelqu'un perd, on dit c'est l'esprit mauvais qui lui a arraché. L'âme qui est importante, si elle meurt, lorsque quelqu'un meurt, lorsque l'âme, nous ne voyons plus cet homme sur cette terre, on dit que c'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris. Mais il a suffi d'un peu de difficulté, juste un peu de maladie, ça nous amène à nous détourner de toi. Et nous tournons le regard ailleurs. Et nous disons que c'est lui là qui peut prendre, c'est lui là qui peut nous donner. Il nous a arraché et donc on lui arrache ce qu'il a pris. Ce matin nous tenons devant toi Dieu. Mon Père l'Éternel, qui est le souverain, qui est capable de tout faire. Je dis ce matin, voilà pourquoi je dis ce matin. Toi seul est Dieu, tu as créé les cieux et la terre. Que tout le monde ouvre les yeux et me regarde à l'autel. C'est toi, Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Papa, Père, j'ai levé ton alliance que tu as avec moi. Que ça parle en faveur de mes enfants. Amen. Nous reconnaissons nos erreurs. Ce n'est personne. C'est toi. C'est toi qui as donné. Et c'est toi qui as repris ta chose. Depuis que tu as repris, nous disons que depuis que tu as repris, nous ne sommes plus en paix. Nous n'arrivons plus à nous en sortir. On s'en sort plus. On s'en sort plus. Alors, Père, on a besoin de ce que tu nous as repris à nouveau. Amen. Père, que tu nous redonnes. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Aie pitié de nous et redonne-nous ce que tu peux. Amen. Tout ce que tu nous as arraché. Tout ce que tu as arraché dans nos vies. Aujourd'hui, je te pleure. Par ta miséricorde. Passe par ta miséricorde. Par ta, par ton amour. Passe par ton miracle. Passe par ton sang et dans ta main, Père. Père, que tu le redonnes. Que tu le redonnes encore, Père. Que tu le redonnes à tes enfants. Amen. Père, que tu leur redonnes. Amen. C'est toi qui sais ce que tu as pris dans la main de chacun. C'est toi qui sais ce que tu as pris chez chacun. C'est toi qui sais ce que tu as arraché de la main de la vie de chacun. Père, depuis que cette chose est partie, ils n'ont plus de paix. Ils n'ont plus de joie. Père, que tu leur redonnes. Amen. Papa. Père. J'ai levé ce manteau. Autrefois on entendait que ma guérison est entre les mains de Dieu. Ma guérison se trouve entre les mains de Dieu. Je n'irai pas auprès des sorciers. Je n'irai pas auprès des charlatans. Ma guérison provient de Dieu. L'Éternel Dieu me fera pour moi seulement la foi. Il me faut la foi. Il me faut la foi. Toutes ces choses existent, Seigneur. Papa, Père, notre travail est en tes mains.
Amen. Papa, y a wari ni wo nsem. Père, notre mariage est entre tes mains. Amen. Papa, y a wari wo nsem. Père, notre enfantement est entre tes mains. Amen. Papa, y a sika ni wo nsem. Père, notre argent est entre tes mains. Amen. Papa, y a company ni wo nsem. Père, notre société est entre tes mains. Amen. Papa, y a juma sem, y a school komu nansem wo nsem. Père, nos études, notre école, tout est en tes mains. Notre Père est en tes mains. Amen. Père, aujourd'hui, ouvre les bras et que tu nous le redonnes. Amen. Que tu le donnes à chacun. Amen. Car tu as écrit que si nous sachons et que nous demandons, tu nous pardonneras. Yes. Et tu prendras soin de nous. Amen. La prière d'aujourd'hui, que tu passes par ça pour ouvrir chacun de nous. Amen. Que tu passes par cette prière pour nous ouvrir tous. Amen. Permets que la porte de chacun soit ouverte. Amen. Ce que tu as fermé, que ça soit ouvert. Amen. Passe par ta miséricorde pour les ouvrir. Amen. Outre porte que chacun souhaite que ça lui soit ouverte. Amen. Il y a tellement de portes, beaucoup de portes. C'est toi qui connais les noms des portes. Mais je ne pourrais pas tout mentionner. Je ne commencerai pas pour oublier d'autres. Père, c'est toi qui le sais. Alors ouvre ces portes. Amen. Quand ils vont quitter ma présence, lorsqu'ils seront dehors, que toutes les portes que tu as fermées, Père, que tu leur ouvres. Amen. Mais Dieu m'a dit, mon travail se trouve entre les mains de Dieu. Je n'irai pas chez les charlatans. Je ne ferai pas une prière de abominable combat. De combat. Mon travail se trouve entre les mains de Dieu. L'Éternel Dieu le fera. Il me faut seulement la foi. Le Dieu des temps anciens, Israël. Le Dieu d'Israël, Tréonza. Étend ta main. Israël, Tréonza. Étend ta main. Israël, Maosasso. Lève ta main. Tréontumi. Pour ta puissance. Mamou Hussein. Qu'il sache que c'est toi qui m'as appelé. Mamou Hussein. Qu'il voie que c'est ta parole de vérité que je leur donne. Qu'il voie que c'est toi qui es Dieu. Mamou Hussein. Qu'il sache que nous avons su la vérité. Amen. En ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. 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 Tiens. Transport. Il faut t'asseoir dans ta chaise. Amen. Et puis, tu respires un coup. Un coup. Faut expirer un coup.